Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Parlant, mon éditorial. Mon éditorial, c'est l'espace débat analyse qui est réservé pour aider à comprendre d'un point de vue juridique tout fait saillant qui a dominé l'actualité en Haïti tant que l'autre bord de l'eau. Pas bon ici, de respecter l'idéologie chaque monde, perception politique chaque monde. Cependant, si en tant qu'haïtien, nous pas prêts pour nous comprendre la réalité juridique ou politique, nous vivons là-dedans, sous prétexte de partisanerie, tant que nous plus partisans que tout partisan, c'est laver main si yante. Le constat est tel que la grande majorité des Haïtiens, pour ne pas dire tout Haïtien, n'ont pas arrivé à cerner ça qui est un état de droit. Nous ne comprenons pas le vrai sens de la démocratie, nous ne comprenons pas le droit à nous violer, nous ne comprenons pas le droit à nous respecter. Donc, nous avons un problème d'éducation civique. C'était une parenthèse pour nous faire comprendre la nécessité pour nous reprendre le combat pour devoir civique. Et à travers l'émission, mon éditorial, je vais vous un devoir pour m'aider chaque grand haïtien, chaque compatriote, pour nous voir lumière démocratie en plus bien pour nous comprendre ça qui est démocratie. Encore m'a dit bienvenue, m'a dit tout abonné nous, m'a dit tout le monde qui a regardé vidéo bienvenue sur TAK 509 tout haïtien connecté. Des micro-présentations, c'est même voix, même Yannick là. Jodi nous pral débattre sur question présumée implication sénateur Gracia Delva dans divers cas kidnapping avec chef gang très réputé Orner Joseph. Premier ça pour nous connaître dans dossier ça en tant que parlementaire sénateur Gracia Delva couvri en bas immunité qui c'est une garantie constitutionnelle. Ça veut dire qui ça? Article 114 Constitution il dit clairement tout membre corps législatif là inviolable. Qui donc depuis son député ou bien son sénateur depuis jour prêté serment jusqu'à ce que mandat ou fini yo pas ka manyon, yo pas ka toucho pour n'importe quoi. Puis loin, article dit sauf si yo kembe yo en flagrant délit ou bien assemblée yo la dedans ta décidé lever immunité yo pour yon quelconque infraction, crime, délit, contravention. Problème qui vient gagner pas bon ici c'est que parlement haïtien tourner en repère côté pour nèg vinn cacher koyo, leur vinn faire acte malhonnête ou bien pour font acte malhonnête en toute impunité. Ça arrive possible parce que CEPA pas de fait travail de contrôle préalable. C'est qui ça? L'ité supposé gon travail d'enquête que le fait qui t'a pral permettre li évincer tout individu, tout nèg sa qui te gon passé douteux, qui présumé coupable ou bien qui présumé complice dans des dossiers de crime, de délit ou bien qui kon habitué violer la loi déjà dans propre intérêt yo. Tout ça, non souci de moralité, mais non, nous contentons d'appliquer une partie dans la loi, non, une partie dans le droit constitutionnel. Là. Et puis, n'oubliez ça. C'est ça, c'est qu'on sale toujours en Haïti. Constitution dit de pour tel âge requis pour député, tel âge requis pour sénateur, de pour pas condamner à des peines afflictives infamantes. Qui ça nous fait? Nous contentons, nous respectons parti qui a rapport avec l'âge. Et puis n'oubliez si nous n'avons pas volé, si nous n'avons pas kidnappé, si nous n'avons pas assassin, si nous n'avons habitué à participer à la corruption. Rap précédent nous pral joindre quand on attendait une assemblée qui t'a levé immunité en député ou bien en sénateur. Pour qui ça? Parce que plusieurs députés et sénateurs fait quoi? Leur lever immunité en collègue, ça pral faciliter des persécutions politiques, c'est comme si on t'a renoncé à droit constitutionnel. Ce qui est faux et archi faux. Parce que la Constitution n'a pas de quiconque droit avec privilège pour violer la loi. C'est normal, si on a contravention avec la loi, si on a tué moun, si on a kidnapping, non volé, il faut que vous traînez devant la justice. Et dans le cas sénateur Gracia Delva, question levée immunité dans sous table, mais l'hypoco officiel jusqu'à date, parce que la justice pas reproché rien. Sinon que commission justice et sécurité que ancien sénateur, sénatrice tab dirigé qui te divulgué des informations accablantes sur relation Gracia Delva ta gagné avec chef gang Arnaud Joseph. Nous remarqué qu'il y a une certaine lenteur dans le dossier chef gang Arnaud Joseph là. Est-ce que c'est pour faire temps passer pour oublier complice ou bien ça pas garder? Sous 2 ans depuis Arnaud nommé la justice, ça fait deuxième comparution dans le cabinet d'instruction. C'est comme si pas de jamais aucun avance qui fait ce dossier. C'est comme si yo just met Arnel dans pénitencier et puis yo passe sous ça. C'est vrai, instruction li secrète, juge d'instruction n'est pas tenu pour le révéler, ça dit, n'est pas tenu pour le bail des informations, mais tout au plus, il est important pour nous connaître qui avance, qui fait, s'il y a de nouveaux éléments. Ou bien, si l'enquête là toujours dans point zéro, est-ce que DCPJ te fait un bon travail d'enquête? Qui niveau implication sénateur Gracia dans le dossier? Question m'a posée, est-ce que le simple fait qu'un sénateur de la République en contact avec un chef de gang notoire, ça fait de lui un complice? Enquête l'a révélé que Gracia Delva, sénateur Gracia, parlait plus passé 20 fois dans le téléphone avec Orner Joseph. Opinion par nous compter. Vin quitte un commentaire pour nous dire qui ça nous pense. Est-ce que vraiment Gracia coupable parce que le parler avec Ernest Joseph, ou bien c'est le jeu de la politique, Gracia innocent et c'est pas on lui a fait sous dole. Opinion par nos côtés, bah opinion nous en commentaire et m'a content lio. Moi-même qui ça me pense. De point de vue social, étant donné que Gracia sont sénateur de la République avec un statut de privilégié, et Orner Joseph lui-même qui sont chef de gang notoire que la police mette mandat d'elle a cherché le temps chien fou, qui relation qu'a bien gagné ensemble pour y parler plus passer 20 fois dans le téléphone. Zami yoé, collègue yoé, nous pas connaît. Et d'ailleurs ça pas interdit nulle part par la loi ni dans la constitution. Moun ka zami gang, moun ka zami volé, moun ka zami assassin, ça dépend de moralité. De point de vue juridique kounye, est-ce que contenu conversation ça est contraire avec la loi? Est-ce que sénateur Gracia Delva est instigateur plusieurs crimes que Arnel t'a fait? Est-ce que sénateur Gracia Delva t'a un complice? C'est autant de réponses que la justice doit fournir population sous implication présumée sénateur dans le dossier. C'est vrai, sénateur Gracia t'a fait preuve de bonne foi. Il t'a renoncé avec poste de vice-questeur dans le bureau Sénat. Depuis le scandale éclaté. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pour laver l'image ou dans l'implication dans des faits de kidnapping? Est-ce que ça suffit pour laver l'image en tant que parlementaire, un représentant national? Pour moi, ça ne veut pas dire rien. En attendant nous temps, le cabinet d'instruction invite ou sinon inculpé dans 4 dossiers, ça ne veut pas dire rien, ça pas signifie rien. C'est pas premier scandale qui impliquait ni un député ni un sénateur. Si nous rappelons en 2001, juge Claudy Gassant a inculpé ancien sénateur Lavalassan, Dany Toussaint, sous la mort dans le cadre enquête qui a mené sous la mort Jean-Dominique. Nous sommes malgré que juge a soumis dossier instruction en bas Sénat, preuve à l'appui de complicité sénateur. Assemblée pas décidé de lever immunité parce que c'est pas obligation. C'est pas obligation pour lever immunité sénateur ou bien député qui présumé coupable, mais c'est plutôt son choix de moralité. Et d'ailleurs nous connaissons comment nèg pas ici dans le parlement, nous connaissons moun sa yo, yo pas vraiment gen sens de moralité. On pas parler de point de vue général parce que ou ka joindre 1 2 3 4 5, on pas joindre 15 20 30 40. Ça, c'est sûr. Ça t'a pris le premier tentative ratée. En 2002, première tentative lever immunité un parlementaire t'est abouti. C'est un député Lavalas qui t'est impliqué dans l'assassinat d'un magistrat dans Saint-Raphaël et puis l'Assemblée des députés a décidé pour lever immunité député Justin Saint-Louis qui est remettre à la justice pour répondre de actes malhonnêtes liens. N'a pas songé tout en 2013. Juge d'instruction Jean-Wilner Morin te mettait en cause 2 députés en fonction. M'a parlé de Rodriguez séjour avec Jean-Baptiste Bélange qui impliqué dans l'assassinat d'un policier comme présumé auteur intellectuel. Assemblée des députés a voté à l'unanimité contre lever immunité de M. Sayo. Donc, il faut nous avoir quantité des ordres qui passent dans le Parlement, quantité parlementaire, députés et sénateurs qui corrompus, qui sans moralité. Alors que il y a une preuve formelle, preuve concrète qui dit que député ou bien sénateur impliqué dans tel crime, dans tel délit, dans telle corruption, alors que l'autre pareil qui sans moralité, même Javel, il croise les bras, il a gardé. Et puis peuple là même qui te ba yo mandat de représentation, rebeke qui a gardé, a sal non yo, a sal non commune, a sal non circonscription, a sal non département yo sous prétexte que yo intouchable, c'est des sénateurs, c'est des députés, yo couvri en bas en immunité et puis yo fait vagabondage. li pas possible. C'est même immunité ça tout qui dit ou pas arrêter aucun parlementaire en fonction. Pourtant, le jeu de la politique fait l'autrement. Si nous avons en 2011, il a arrêté le député Arnel Bélizère. En 2017, il a arrêté Guy Philippe, bien que Kapal différent. Il est différent parce que le pote qu'on prête serment. Donc, pas d'immunité. Mais ça reste quand même un sénateur élu, un sénateur de la République. Jean-Prophète Blanc dit, nous ne devons pas peur ça le fait. Ou pas de peur ça pas fait. Le pourquoi? Si vous n'avez pas de reproche, il n'est pas nécessaire pour cacher des immunités, des protections constitutionnelles, pendant que c'est l'image qui est en cause, c'est l'image qui est en doute, c'est la moralité qui est en doute. Alors que les dirigeants nous ont souvent fait une copie conforme de la législation française, ils ont oublié tout pour faire preuve de moralité, parce que les parlementaires français ont levé l'immunité collègue au profit de la vérité, au profit de la justice, au profit du droit. Leurs collègues parlementaires qui ont un comportement qui voulait remettre en question respect aux nobles institutions, qui voulait remettre en question représentation nationale, l'important, là où même où sont parlementaires, où sont députés, où sont sénateurs, qui gagne moralité pour faire ce que le droit, pour mettre moun ça, pour mettre nèg ça, pour mettre vagabond ça aux dispositions de la justice pour le répondre de actes malhonnêtes, pour le répondre de ça yo reproché là. Là on a considéré un pays tant que l'Ukraine qui décide de lever immunité 450 députés liés parce que c'est un parlement monocasséral, pas de question de branche, pas de question de chambre député, pas de question de sénat, li coûte moins l'argent à contribuable. Députés ont décidé de lever, vous voter pour lever l'immunité tout parlement net. Une façon pour combattre la corruption. Et pour moi, c'est une grande première parce que son pays, côté que l'autorité de l'État, l'autorité politique, l'autorité parlementaire, souvent sujet à scandale. Je pense que c'est une bonne décision parce que ça va permettre de conformer au plus ou moins. Parce que là, pas cacher des questions d'immunité, pas cacher des fonctions encore, ou libre. Tout ça fait ou qu'à répondre directement devant la justice. Et peut-être c'est en avancée comme ça tout nous besoin d'une réforme constitutionnelle nous pour nous faire. La très important parce que si nous décidons d'abolir l'immunité parlementaire nous n'est pas bon ici qu'a venir cacher dans le parlement pour faire zak yo vle, jan yo vle, nous pral commencer à l'on souffle parce que pas gain intérêt pour venir cacher dans le parlement encore. Même Jean tout commencer à retirer dans quelques privilèges gagnés tant que franchise douanière yo parce que trop d'armes après entrer dans le pays hein, trop de députés et sénateurs gagnent agent sécurité sous couvert pour favoriser l'insécurité, il y a pas alimenté gang en munitions. Donc nèg ça t'a commencé prendre retraite yo pour ouvrir accès à, pour ouvrir voie by des jeunes qui plus ou moins valables, by des jeunes qui plus ou moins gon moralité pour venir faire travail pays. En plus, fois on a indexé ingérence pouvoir exécutif dans l'autre pouvoir l'état. Mais tout n'oubliez combien de députés et sénateurs qui prennent l'argent dans mes présidents pour ratifier premier ministre, qui exiger pour yo bailler au contrôle ministère sous condition, qui faire recette dans douane, qui faire recette dans ONA. Tout ça, c'est corruption. Ce n'est pas seulement l'exécutif qui a fait ça, pas ça. Nous avons un pouvoir législatif qui est inexistant. Puis, monsieur dame ça aussi doit être long. Nous avons un système judiciaire qui n'a pas existé, c'est corruption net alcoolée. Donc, dis-moi qui ça nous voulait pour payer, dis-moi comment nous espérons payer, comment nous espérons payer, qui ça nous voulait pour Haïti. En plus, député et sénateur, pour ne pas dire tout, c'est facilitateur. Pendant la police travaille pour traquer bandits, pour combattre l'insécurité, autant de ces machines officielles, ces machines de service de l'État qui fait kidnapping, qui transporte drogue, qui transporte armes, sous couvert de l'immunité, sous couvert de l'inviolabilité. Li pas possible, yo fait ça yo vle, jan yo vle, lè yo vle, li pas bon, li pas possible. Faut que peuple haïtien fait un réveil de conscience collective parce que dans point nous arriver là, pas quoi pays en besoin au parlement bicaméral encore parce que monsieur ça yo déjà coûté trop l'argent, yo pas utile nous rien, yo pas utile pays en merde. Donc, faut que population, faut que peuple haïtien prenne une décision avec eux. Faut que nous prenions une décision avec eux. N'a payé pour député, pour sénateur, n'a payé pour petit ménage, n'a pas acheté machine pour eux, n'a pas acheté machine pour femme, pour ménage. Donc c'est pas juste. C'est pas juste alors que yo pas ka même bay peuple là un minimum. Yo pas font minimum dans sa peuple là espérer dans mandat population bay yo, yo pas ka faire. Si on parle initiative marche en Ukraine pour retirer immunité parlementaire yo, pour qui ça le pas possible en Haïti? Si vraiment le peuple prend conscience de l'incapacité, de l'incompétence, de mauvaise foi des députés et sénateurs, c'est pour nous suspendre quand on prend 1000 goudes contenter pour on zam nan men yo, mais plutôt c'est pour nous exiger au fait travail nous mettez au fait a. Yes, statut de parlementaire a pas droit un privilège, mais plutôt un devoir de représentation toute moralité. Si span vin gonfler chaise pour belle machine, klaxon parce qu'on gen belle sirène, ou gen sécurité, ou toucher chaque zombie, alors que par une fois nous pas participer dans séance. Par une fois nous pas voter, par une fois nous pas prendre décision qui bon pour nation, sinon que c'est fait abstention, sinon que c'est j'approuve, sinon que je n'approuve pas, le ça n'a intérêt nous. Et le mandat fini, pas aucune réalisation significative nous fait dans la commune, nous fait dans le département. Et puis c'est nous-mêmes encore qui besoin faire 10 ans, faire 20 ans, faire 30 ans dans le siège. Pour qui ça? Bon coquin, bon à tout faire. Nous avons un exécutif qui débattre, un législatif qui n'a pas existé, nous avons la justice qui est corrompue. Ces résultats, ça pour nous gagner de pays. Ces résultats inconscients, chaque Grenadien, ces résultats inconscients, moins inconscients, pauvres, ces résultats un peuple qui partisan, un peuple qui aveugle, un peuple côté majorité population dans grand goût, dans misère, c'est normal pour 1000 gouttes acheter votre lit, c'est normal pour 1000 gouttes à faire prendre béton après les vivres, après les abats, dans intérêt bien erré, dans intérêt moun, qui a enrichi poche au détriment de masse peuple. Non pour Haïti arriver là. Ce n'est pas ni une question de gouvernement ni opposition qui va venir retirer le pays dans sa ligne là. Parce que ils ont tout qu'on faiblesse nous, ils ont tout qu'on est que nous grand goût, peuple grand goût pas jouer, il y a toujours chercher silence nous avec du poids, à con Hippolyte et puis c'est fini. Là c'est bonne volonté, nous conscience, nous force nous qui pour faire que autorité au prend mais qui pour faire autorité ça prend nous au sérieux. Suspend prend béton pour faire leader plaisir, suspend prend béton parce que y a payé nous. Mais faire pour de bonnes raisons, pour éducation, pour santé, pour justice, pour équité, pour de meilleures conditions économiques. C'est ça nous espérer, c'est ça nous mériter. Nous pas mériter kidnapping, vol, viol, assassinat, nous pas qu'à la banque, nous pas qu'à sortir. Pays a pas mérité pour le modèle dirigeant ça, pays a pas mérité pour le modèle parlementaire ça. Haïti, en tant que première république noire du monde, Haïti méritait de dignes représentants, des femmes, des hommes valables à tous les niveaux qui représentent le pays, qui représentent la nation. Nous prenons trop coups dans mes volets, ça. Bon, des fois, député en ville, pas même qu'on lit. Seul non lit qu'on écrit, avec même lit qu'on levé. On pas qu'être monde sans moralité, on pas qu'être analphabète, ils rentrent dans institution noble, ils rentrent dans institution de représentation nationale et puis ils viennent craser. Li leur li temps pour nous dire non, li leur li temps pour nous dire ça fini. Li leur li temps pour réforme constitutionnelle li fait pour nous mettre monde qui compétent en place yo doyer. C'est ça qui est bon pour Haïti, c'est ça qui est bon pour la nation. On nous prend responsabilité nous en tant que citoyens, on nous fait devoir civique nous, on nous vote moun qui mérite vote là, on suspend bail vote nous pour 1000 goud, on suspend bail vote nous pour un sac de riz, on suspend bail vote nous pour un petit kit alimentaire. Nous vaut plus que ça. On commence à participer dans prendre grande décision pour pays nous, pour commune nous, pour département nous, comme ça n'a commencé à croiper bandi avec ça yo, n'a commencé à croiper nèg sans moralité ça yo qui vient craser pays. Avant m'aller là, il est important pour me geta font ouvrir un petit coup de parenthèse sur histoire petite ancien candidat à la présidence Eric Jabatissa qui impliqué dans question kidnapping. Est-il le kidnappeur ou le kidnappé? Ça nous pour connaître mais espérer n'a clair sur dossier ça. Même l'homme connaît dossier nèg pas bon ici c'est l'agent serré mais n'a cherché et n'a joindre réponse yo. Merci à vous-même qui t'a regardé vidéo, qui t'a prêté nous temps, qui t'a prêté nous toute attention. Ça fait nous en pile plaisir. J'aime te dire dans début émission, mon éditorial c'est espace pour. Pas négliger fait nous peur de point de vue, pas négliger fait nous peur de commentaires ou yo, liker vidéo, partager vidéo le max, le plus que possible. Et n'a continué travailler dans intérêt toute population, dans intérêt communauté haïtienne. M'a rappelé ou sous TAK 509 tout haïtien connecté. M'a invité à rester connecté avec famille et ou même cap regarder vidéo qui peut quoi abonner à channel qui fait découvrir channel ça. pas hésiter à abonner, inviter l'autre ami, inviter l'autre famille, rejoindre la communauté ça parce que n'a travail pour une population, n'a travail pour former, n'a travail pour informer. C'est pas un travail qui est facile, mais nous faisons avec tout un plaisir. Merci, à très bientôt.